Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Gen parole, mais pas gen bouche. La police obligée de débarquer, vin mette au là. Dans une localité qui relève fort besoin, yon gros événement passé. Yon jeune femme qui remet ak yon jeune garçon, mais qui de liberté l pa gagne pour sorti pour la loi jeune garçon ça. Ni pour jeune garçon en vin wèl la kayli, cause femme nan, mette nan tête demoiselle la, jeune garçon ça pa gagne assez de maturité pour que l'occupe ou. Eh bien, deux moun sa ou tellement d'amour, mesdames, mademoiselles et messieurs, si jeune homme nan oblige ranger avec ti fia, comme maman l mouri, li dit si femme nan, ou ap remet ensemble avec papam, de quoi, le papa m'ap vini wè ou, mwen même m'ap ge chance pou mwè ou tout. Chose dit, chose faite. S'entende ya, tout bagay prale très très bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après un certain temps yon fin ferme, mais yon vin marié koun ya, le ou rive nan kay, discussion pété, femme enceinte, papa dit le pap gade femme, petit dil pap gade femme. Dans le cas ça, la police est obligée de débarquer, ramasser toute famille ça, mettez yon en bas code pour corruption. M'pral l'expliquer en détail qui les bagailles ça te commencé, dans qui commune, dans qui département, et ceci tout pour qui est d'après ou même, petit ça lui-même, l'ikay. OEA pral débarqué en Haïti. Ambassade Haïti à nan États-Unis, Edmond Beauchit annoncé nan jou k'ap vini la, yon délégation nan organisation État américain ap gen pou foule sol pays d'Haïti. Pour ancien ministre la, li wè nan visite sa yon opportunité pour capable présenter différentes protagonistes crise la, mette yo sous table pour capable jouen yon bon solution. Qui ça? Ça, c'est avis ministre là. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, important pour nous connaître qui mission OEA a vini accompli en Haïti. Pour qui ça, c'est dans le moment même les choisi fait. Est-ce qu'elle a vini pour mettre ni opposition à tout pouvoir sous grage? Comme petit proverbe créole l'a dit, les chats pas là, rat prend caille. On pourra l'expliquer. Ces bagailles pour pas jamais faire. Quitter moun qu'on a fait, les bagailles là pas de bon pour. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ces situations qui présentaient entre Premier ministre AIA, Claude Joseph ak Dr. Reginald Boulos. Nan yon conférence de presse li tap bay, li traite PM nan de ti Claude Joseph. Mosa, m'pa kache dou ki pa descend bien dans l'estomac, eh bien, Premier ministre lan. Sentil vexé, koun ya la, biwo secrétaire d'État ak communication, condamné Mosa que Dr. Reginald Boulos dit. Bureau secrétaire d'État à communication condamné sans réserve propos d'émigrants ça ak discriminatoire et bien docteur Reginald Boulos lancé sous les ordres contre premier ministre AI nan moment. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, condamné à toute force. À qui ça s'apprend il? Est-ce que docteur après l'obligé mandé pardon ou bien nèg yo ap toke kon yo ansanm? C'est toute information sa yo ak divers lot encore nous pote pour. Rale ti chèz ba ou chita confortablement. Fouko zanmi fo pa ou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye. Encore une autre fois m'ap dou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore l'autre fois, si vous faites tomber sur channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est amis par Foucault. Nous avons chance de présenter un petit compte matin, un compte ça qui c'est physique ou tiré loin. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse lancée géo. Nouveau compte nous gagne mesdames, mademoiselles et messieurs, en démarre cric crac. Passez là, n'a pas rencontré Pidevan. Pas hésiter à quitter réponse pour là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile. Juste avant nous entrer dans ce qui passait, dans la localité qui relève fort besoin, on partage avec vous et mes décisions OEA prend pour débarquer dans le pays d'Haïti. Dans la date qui était 17 mars 2021, Conseil permanent OEA prend une résolution sur ce qui a passé dans le pays.
Conseil permanent reconnaît en pleine crise là dans le pays. Dans le cas ça, il a demandé pour faciliter le dialogue en toute partie. Sans oublier avis gouvernement haïtien. Dans le cas ça, dans la date qui était 28 avril, là, PM Claude Joseph te sollicité officiellement avec Luis Almagro, secrétaire général OEA lui-même, une mission pour le pays d'Haïti. Quelques jours après, l'ambassade haïtienne dans le pays États-Unis, qui en même temps représentant provisoire Haïti à l'organisation État américain, Bochit, confirme vini yon délégation OEA en Haïti, qui se yon résolution qui te prend en date qui te 17 mars là. Côté conseil permanent OEA souhaite offrir bon office li yo à différents acteurs crise politique Haïti. Haïti c'est pour nous c'est haïtien. Parole ambassadeur Edmond Bochit. Nous capable pas d'accord sur certains points, mais faut que nous joignons un terrain d'entente puisque nous condamnés pour nous vivre ensemble. Divers partis politiques opposition ont proposé dialogue avec président Jovenel Moïse pour être capable de faciliter un départ ordonné, qui c'est une position qui est rejetée par le secteur démocratique populaire. Yo pa nan aucune négociation avec Jovenel Moïse. A pouvoir ça, yo pa ni, ça veut dire, yo pa ni négocier, ni cohabiter. Li rappelé tout, secteur vie nationale là, t'es intranisé juge Messène Jean-Louis pour diriger la transition. Ça veut dire, nous capables de comprendre, si Abgo n'est pas ordonné, Abgo a deux départs ordonnés. Deux départs Messène Jean-Louis et départ Jovenel Moïse. C'est quoi l'histoire dans ce pays-là? Maintenant, mademoiselles et messieurs, eh bien, situation est déjà compliquée. Entre Boulos, ensemble avec et premier ministre Aïa, ministre pour Tiboutan, c'est ça vous fait qu'on est. Comme ça, tout le cas là pour tout le temps, on ne sait jamais. Sans pas oublier, eh bien, Anthony Blinken, lui-même, qui c'est responsable département d'État, pressé, fuck, élection faite, dans fin année à la, de quoi, 7 février 2022, fuck, guy, un président qui élu, électionnellement parlant, qui élu, qui t'est passé dans élection pour monter pouvoir, ça fait transition ça, fourré l'on côté, même. J'étais dans la poubelle bien loin, bagay ça, pas là dedans. Bien que yo te di yo pa finance référendum, non. Jovenel di li même la fè référendum ni. Donc, les États-Unis wa jere tires élection. Donc, ça fait autant de monsieur et congressman yo te di élection, passe si passe là, ou pas inspire confiance. Ça fait garder yo. Donc, élection a fait dans le pays d'Haïti. Oui, bon. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nan sa ki ge pou awe, ensemble avec Dr. Reginald Boulos, ensemble avec Claude Joseph. Comme nous connaissons une conférence de presse, eh bien, Dr. Reginald Boulos, t'es traité, eh bien, PM, nan, comme dit Claude Joseph. Moi, ça, qui mal sonné, et puis tout, ça qui t'apprend la cause, Biwo, secrétaire d'État, à communication, condamné sans réserve, propos des migrants, ça, acte discriminatoire, Dr. Reginald Boulos lancé sous les ondes contre premier ministre, là. Eh bien, m'pa caché d'où, yon condamné à toute force yon, ça qui dit. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, comme docteur a dit comme ça, imaginons si pas gué entente, Jovenel Ale Kounia là, c'est ti Claude Joseph qui pas gué aucun mandat, qui tape vin gouverner pays ya, eh bien, bagay la tape vin pi mal pays ya tape tête en bas. Eh bien, ti Claude Joseph lui-même sorti dans silence, il déclaré, même Jean, Reginald Boulos lui-même il fait étude li ya. Li fait étude li tout par ansavel. Li diplômé, li fait maîtrise, li fait doctorat dans pays les États-Unis par ansé. El gradié avec pi grand distinction yon nan université. Et grâce à Dieu, l'a enseigné dans un paquet université prestigieuse. Et par non. Donc, et ceci, li rappelé docteur différentes fonctions qu'elle occupait dans diplomatie haïtienne, même j'ont à l'école là mal l'école tout. On a vini de Tiba, Ti Claude, tout ti se ti vole. Donc, non, pas jouer. Dans l'école, tout me fait doctorat, me fait maîtrise. Non, pas fait ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, rapidement, MDV Haïti sorti en note et dans note ça, mais ça y'a dit. Mouvement pour transformer avec valorisation Haïti, saisi li
Notre ministère qui dit à communication fait sortir sous intervention docteur Reginald Boulos dans voie à côté docteur Reginald t'a utilisé ti non peuple là habitué by quelque chef tankou Titide Tirene Jojo. N'a signalé docteur Boulos t'a dit ti Claude c'est pour lui parler des premiers ministres gouvernement de facto a. Malgré tout moun konnese bon tinon jouet chef gouvernement docteur Reginald Boulos te ge koutwazi parler en privé ak monsieur Claude Joseph pour lui expliquer ça pour nous mêmes c'est un malentendu qui pas mérité tout parler en pile ça yo c'est un autre prétexte pour continuer ak stratégie gaye paye là fait pays a continuer à perdre temps ak l'argent là n'a travail pour l'union ak tête ensemble. Yo même yo vle continuer ak parole division diversion exclusion parce que nous mande yon médiation pour sortir pays a nan crise la. Nous même yo référé continuer ak jouet piqué devant nan faire répression et puis bay pression. MTV Haïti pense gen trop bagay sérieux qui pou discuter nan moment et qui pi important passe discours prestige ak division gouvernement de facto sa vle fè tourner refrain depuis quelque temps. MTV Haïti profite rappeler li mette disponible pour continuer discuter ak toute force politique conséquent pour joindre bon gens solution qui capable fè nous sortir nan crise malouk pays a traversé pendant nous respecter l'esprit constitution 1987 là spécialement dans article qui dit clair mandat président Jovenel fini 7 février 2022 toute discussion doit aboutir sous des pas président de facto Jovenel Moïse quand la musique qui dit et pas kunya. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre dossier qui est très important n'a rivé dans ça qui passait dans fort besoin mais mes dernières informations n'a bail avant que nous entrer là-dedans. Ministère santé publique et population dans avis numéro 360 là qui porte signati ministre Marie Greta Roy Clément fait connait que il y a 3 nouveaux monde qui mouri dans coronavirus à 14 autres nouveaux cas qui confirmé dans date qui 29 avril qui saute passé à là. Yo te fait connait toujours selon MSPP, bilan passé à 13 149 cas confirmés, 1891 moun couché l'hôpital toujours, 260 moun qui ont perdu la vie, ak 12 151 moun qui traitaient déjà en bas coronavirus là. Toujours selon avis numéro 360 là, 14 nouveaux cas. Ça yo confirmé recensé dans 3 départements l'ouest nord ak nord-est pays ya. Ministère santé publique fini pour rappeler peuple haïtien doit toujours continuer respecter mezi barrière ak énergique l'état te bayo dans l'idée pour éviter virus la continuer propager dans pays ya. Mais on dirait c'est nous tout qui gen virus la parce que nous marchons jeune vle nous frotter jeune vle dans la manifestation jeune vle dans l'anti bing bang nous jeune vle le corona virus existe toujours en Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, qu'on y a en entré dans dossier ça qui passait dans une zone qui relève fort besoin oui fort besoin pour aller parce que Jean Bagay la passé ya franchement après fort besoin vrai pour aller donc on dirait Jean situation a déroulé ya non zone aller ensemble avec ça qui passé. Eh bien, c'est une jeune demoiselle qui remet ensemble avec un jeune homme, mais on connaît et quand on y remet les que gon garçon qui vient présenter la caillou, nèg la vini avec 15 papiers bœuf. Il gon 50, il gon latrier volaille, cabout fait partie des volailles. Il gen coden poule coq. Et puis tout cabrit il gen tel il gen kay tout bay sa yo donc c'est ça yo qui attire grand moun en province yo fò yo wè l'arrivé yo gade zonou yo wè en bas zonou nan sal ça veut dire kon travail la té on kon sa oui monsieur nous même qui pral prend forme bon yo nous kon ti forme bon yo douce donc ça important pour konnen kon ya la mesdames mademoiselles et messieurs. Comme les ti jeune homme nan présenté li saute l'école Port-au-Prince donc et mi saute Jean Zuzu elle remet forme ça le fait. Mais elle va décider de Port-au-Prince fin faire l'école là, elle songe la couli, là elle travaille la terre encore. Et puis l'elle rivé, li joine ti forme nan yo remé, parents pas accepté, et bien ça qui passé comme maman monsieur était mouri. Et bien
Elle me dit, arrangé ensemble avec demoiselle là, elle dit, ou après, ensemble avec papa, de quoi, les papas, lui-même, comme papa, m'a plus de bagages pour présenter. Les papas, me dit, wow, moi-même, m'a tout vini, m'a carreau, n'a pas parlé tout. Mais, pas de toi, stupide, monsieur, même, quand elle te dit, pas de jambes passer, jeune gens dans la ville, ça passe comme ça. Quand y a là, mesdames, mademoiselles et messieurs, là, lui-même, avec ses femmes, n'a fini planifié bagages là, comme ça, chose dit, chose faite, bagages yo passé, comme ça, vrai. Après un paquet de temps, petite fille ménage li fait remé ensemble avec papa. Kounya la, yo vin marié. Situation vin compliqué parce que pour remé en femme pour femme nan marié ensemble avec papa ou. Et kot femme nan pral vivre kay papa ou kote rete nan kay papa. Donc monsieur senti la joie kounya la parce que femme nan pas seulement sous responsabilité, papa va ki pe femme nan li même la plus met tout. Nou ba la onti jan fanny belle mort femme. Elle a compliqué. Quand y a la mesdames, mademoiselles et messieurs, quand la situation a vin pi compliqué, dans même cas ça, eh bien, il y a un frère papa, tonton jeune homme qui était là tout. Mais tonton ça, jeune petit garçon, bel petit garçon qui kon sorti vin travail pour au prince et puis monter à le faire jardin mais monsieur poko marié tout ça pense sortant de la femme ça vin placer ensemble avec compère à tout dans cas. Ça veut dire, seule femme ça en dedans, li gen trois nèg. Bagay la déroulé, comme on connaît, un petit proverbe créole qui dit, tout menti pas fond, c'est l'âge, l'âge. Koun ya la, messieurs, dames, yo, yo vibe entre yo. Mais, ça qui passe, c'est jeune homme, ensemble avec jeune femme, qui connaît dossier au mani gansé sous le papa. Et puis, jeune femme, nan même avec tonton, connaît qui ça au mani gansé tout sous le papa toujours. Sous l'autre frère. Ça veut dire dossier compliqué. Femme nan li même celle qui vient point central là dans cause. Quand y a la mesdames, mademoiselles et messieurs, pour que trois garçons dans caille, une femme qui enceinte, yo pas ka jeune papa, ça veut dire. Femme vient enceinte, nan les femmes enceinte, bon mari qui te marié a pas là. Les messieurs tourné, femme gétan gé 3 mois. Nèg dit petite pas pour lui. Fia dit petite là c'est pour ou lui. S'entendé nan même jour soir, discussion pété. C'est de l'eau vide sous Fia pour Fia reconnaître, pour prendre connaissance encore, pour tellement nègre à battre, parce que m'a pas qu'à marier avant, m'a quitté nos cailles, ensemble avec petit garçon, avec un frère, m'a dit un set, pour m'a pas qu'à connaître qui est-ce qui va pas petit pas pour moi. Kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, le ou débarqué dans le commissariat, ensemble avec femme, ni papa, ni tonton, à toute petite, et laisse ça, femme n'a pas le chita pour l'expliquer qui s'est passé, et non seulement ça tout, petit garçon en tout pral expliquer qui j'en dossier a te et qui fait bagay la ka arrive là. Eh bien, comme fille a son femme qui enceinte, elle déjà prend pile coup, la police te oblige la gueule pendant qu'elle kebe ni papa, ni petite, à tout tonton pour corruption. Parce que nous pas ka arranger nous pour nous faire corruption comme ça dans le pays, bagay la pas facile. Kou n'y a imagino pour petite fête, peut-être l'assemble à youn, pour y être l'assemble à youn, puis assemble à youn. Quand même, c'est une cancer de fille. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a réfléchi pour nous dire pour qui est petite ça, lui-même, li api. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre information qui est très importante. Après tout parler en pile, dossier l'en mort, Gerbi, Jeffrat a fait sous Internet là. Quand on met André Michel, lui-même, te déclaré premier monde pour yon accuser dans dossier ça, eh bien, il relève Léon Charles parce que yon te lagué à vidéo recherche de yel comme monde qui te nan assassinat, tentative assassinat, destruction bien privé ak bien l'état. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour j'en tap gade photo, on te déjà ouais, ces films kap moute passe opposition à jouer feuilleton tout. Nous comme ça. Parce que, franchement, pour choisir, dit n'importe bagay sous moun que ou pas confirmé. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous capables de comprendre si pays a des lois sous diffamation et André Michel tape en bas côte déjà en tant qu'avocat qui a plein de bagay menti sous moun. Eh bien, information qui tombe, c'est que monsieur Assoya la abgen poul sous yon page sur réseaux sociaux, yo la bay interview. Et puis, yon te fait quoi, monsieur mouri, yon pas joint quoi. Et yon te même accusé la police parce que yon ancien policier pas ka mouri. Et puis, yon traite le élément comme si yon pas ka bay yon information qui clé. Eh bien, comme DGPNH a dit, il a continué à mener enquête pour qu'on sache passé. Eh bien, t'as semblé c'est que Gerbi Jeffra bien vivant parmi moi. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y'est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, messieurs, bonsoir.
Ici Jacques Nambélizère depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Dans Washington, c'est un plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Nous comptons comme d'habitude avant. Nous parlons d'actualité, hein? Une actualité en général qui focus sur les États-Unis avec Haïti. D'abord, et depuis hier, nous pouvons partager avant les déclarations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc, il y a une réaction qui tombait après déclaration ça. Elle lançait appel pour demander gouvernement haïtien organiser élections dans tout niveau avant fin année 2021. Lionel Desmarais a présenté réaction d'un leader politique dans le pays d'Haïti, Clarence Renoir, leader UNIR, Union nationale pour intégrité. Ak réconciliation Lionel Desmarais. Let's speak with one voice to urge the government of Haiti to organize free and fair elections by the end of this year and the government of Nicaragua. Non discours préenregistré secrétaire d'État américain Anthony Blinken prononcé dans conférence Conseil américain mardi 4 mai 2021, il lance appel par gouvernement haïtien pour demander l'organiser élection avant fin année. En même temps tout chef diplomatie américaine non mandé tout pays sous continent américain parler à une seule voix pour encourager Haïti à faire élection ça. On l'autre côté, Clarence Renoir, fondateur et dirigeant parti politique Union nationale pour l'intégrité avec la réconciliation, UNIR, répétait un appel qui tourne un slogan pour parti la diriger, appel pour un dialogue national inclusif. Pour ça concernait, appel secrétaire d'État américain Anthony Blinken lancé pour demander élection en Haïti avant fin année 2021, M. Renoir dit, organisation élection dans le pays, c'est devoir avec responsabilité président Jovenel Moïse. Et le patat Wetton, chef diplomatie américaine, prend position ça pour le remplir de voile envers nation. En réalité, Jacqueline Bélizère, nous n'avons pas besoin, secrétaire d'État américain, dit nous, pour gagner une élection faite dans le pays à 10 février. Donc, son devoir, son responsabilité président Jovenel Moïse gagne pour créer les conditions pour sa fête. Maintenant, condition ça a pu créer, comme vous m'avez dit, il faut qu'on ait un accord politique qui joigne. Oui, nous avons le temps pour nous réformer CEPA, pour mettre un CEP crédible sous pied. Et pour CEP, ça, si c'est 9 membres, mais les structures du conseil électoral, elle est déjà là. Il faut le cas de travail. Donc, nous avons besoin de monde qui ait crédibilité, qui vienne prendre direction opération électorale là, pour qu'après, pas gagner, parler en pile, ou nous, élection par quoi, etc. Donc, il faut que l'élection soit propre. Faut que démocratique, faut que honnête, pour que après nous entrions dans la période de stabilité nécessaire. Ça. Clarence Renoir, c'est l'idée du parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation. Merci, Desmarais. Et l'autre point dans l'actualité concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti, le gouvernement continue à avancer dans la direction référendum. Et il y a un élément important dans la question référendum, non? C'est ça où les quatre dermalogues là et diaspora tout est capable de gagner quatre ça. Ambassadeur dans le pays d'Haïti, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, a expliqué qui gens que diaspora capable de retirer quatre dermalogues dans ici aux États-Unis. Tout consulat nous qui ici aux États-Unis, il y a une collaboration qui est faite avec le ministère des Affaires étrangères et ONI et pour qui distribuer et bailler les cartes à des citoyens haïtiens qui souhaitent gagner ici qui vivent dans la diaspora. Et c'est une activité qui n'est pas non seulement aux États-Unis, mais dans tout le pays, côté gain ambassade avec consulat haïtien. Et citoyens haïtiens, ressortissants haïtiens, qui doivent aller avec Pierre Mandel, il a fait une carte. Et 4 ça a permis de ne pas oublier que 4 n'a pas seulement 4 pour voter, mais sont 4 pour régler tout ce qui est en Haïti avec les citoyens. Et je pense que l'ambassade là continue vers lui. Nous recevons ici à chaque fois qu'il y a un passeport qui souhaite faire 4 là, nous faisons le bouillon. Dans le consulat, nous c'est la même chose. L'ambassade nous en dehors des États-Unis qui est dans notre pays, nous faisons. Je pense que c'est un accompagnement que le gouvernement bail à tous les sortissants qui est en dehors d'Haïti. Qui souhaitaient qu'un cadre ça pour gagner et mettre leur service. Est-ce qu'il y a moyen pour nous contrôler les questions de fraude? Nous connaissons que les Haïtiens qui essayent de deux passeports, passeport américain et passeport haïtien, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que nous avons moyen pour nous contrôler? Pas oublier, nous n'avons pas aucun contrôle sur lui, c'est ONIC qui a un contrôle sur lui. Les gens, citoyens viennent, ils viennent avec PST, par exemple, si on vient faire passeport haïtien. Pas dans le passeport, il y a une pièce haïtienne. C'est parce que l'haïtien, même pièce, il y a besoin pour faire 4 là. C'est-à-dire aussi, longtemps qu'on a besoin de 4 là, il m'a dit, nous ne pouvons pas faire son fait.
Mon demandé de souhaiter faire 4 dates pour lui. Mais 4 dates, nous ne pouvons pas aller ici parce que nous avons une capacité ça, pour entrer dans la base de dates, base de données, pour imprimer. 4 jours imprimés en Haïti. Aussitôt que nous entrons dans le système, le système de data là, en Haïti, dans le centre ONIAN, on est même imprimé 4 jours, vous voyez, la mission en fonction, parce que chaque mission, chaque consulat, chaque ambassade a un code. Et au niveau de l'ambassade, ça ou bien la consultation en fonction de ce code-là, après ça, on a venu de réclamer. Parce que pas oublier, quand ça, on ne peut pas prendre pour le monde. Il faut que les gens qui ont fait là, il faut prendre les données biométriques, ensuite emprunter pour que les gens valident. C'est là pour qu'on ait un crédit. Tout en banque, on va avoir les banques dans le numéro du bourré pour activer le cadre là, pas valable. Et bien, tout en va venir, ou même personnellement, pour mettre les yeux là, pour mettre un prêt tout, quand la va valide, quand la va faire avec. Donc, so, et nous allons contrôler ça, nous tout simplement rentrer données dans la base là, et ensuite on y recevra les, après on imprime les cadres verbal. Ambassadeur pays d'Haïti, dans Washington, Bokchi Edmond, ou toujours sous la voie de l'Amérique, on peut mettre depuis Washington d'ici, on va suivre rendez-vous info. Quand nous allons recevoir, invitez-nous pour aujourd'hui à relayer. Dali Valé, c'est un journaliste, c'est un spécialiste dans les relations internationales, c'est un confrère, un ancien collègue. Dali Valé, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli aujourd'hui à Sous la Voix de l'Amérique. Yeah, bonsoir mon frère Jacqueline, bonsoir Lionel, bonsoir tout autre collègue, et puis bonsoir tous les amis auditeurs qui ont suivi l'émission aujourd'hui. Dali Valé, nous sommes passés la déclaration que secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui mandait toute l'Amérique pour faire une seule voix à l'unisson pour demander au gouvernement haïtien organiser élection et année ça donc d'ici fin année qui genre en termes de géopolitique nous capable lire déclaration ça. Bon, déclaration ça un peu décohérent avec philosophie nouvelle administration américaine non, parce que pas oublier de vous dire démocratie veut dire d'abord élection, qui dit élection veut dire que c'est suffrage populaire qui peut sanctionner élection. Et pas oublier que l'administration Biden il gagne comme pilier fondamental question droits humains avec démocratie. Donc élection que vous avez demandé est vraiment cohérent avec les autres pouvoir Washington non. Mais en même temps, tout est cohérent avec le discours politique américain gagné dans le pays d'Haïti depuis 2011, je peux dire. Parce que, pas oublier, le dernier document stratégique que les États-Unis ont gagné sur Haïti est daté de 2011. Donc, pourquoi j'aime un nouveau document qui dit que les Américains ont souhaité pour Haïti. Donc, il y a que le document ça, les chita sur l'élection, les chita sur question d'investissement, et puis créer conditions pour capable gagner des partenariats économiques qui développaient avec Haïti et même d'autres pays et même les États-Unis. Donc, ça veut dire que, et pour le moment que nous avons parlé à là, c'est même et pattern, ça, c'est même discours ça qui kembe plus de 10 ans après. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons tout simplement, c'est le fait que l'administration qui est en place là pour le moment, elle mettait en phase sur question des droits humains. Et puis en même temps, il insistait davantage sur l'élection. Mais l'élection en fin d'année en Haïti, c'est presque quasiment impossible dans la mesure où ça te prend un minimum de 6 mois après l'installation du conseil électoral pour organiser des élections. Donc, je crois que l'administration américaine, non, c'est parce qu'il y a besoin de montrer cohérence sur justement entre discours avec philosophie au niveau géopolitique qui fait que il y a kembe question élection mais de manière concrète là vraiment difficile pour élection faite dans le pays d'Haïti l'année d'autant que le conseil électoral qui est sur place il y a que nous avons n'est pas bénéficié de agrément national différents partenaires d'un pays même au niveau des sociétés civiles il y a pas gagné et légitimité qu'il faut qu'il puisse être capable de faire élection qui vient de faire que, même si Haïti a voulu faire des élections vraiment dans fin d'année, il est presque matériellement est vraiment impossible pour l'élection ça d'arriver. Donc, en bout de ligne, autour de la situation, elle est plus rhétorique quelque part, elle est plus rhétorique que l'État vraiment
marié avec réalité terrain en Haïti. Donc nous comprenons. M. Washington, il y a une philosophie, il y a une vision, il y a une certaine main, mais en même temps, il y a la réalité du terrain en Haïti qui vraiment pas coïncider, pas concorder entre ce que Washington voudrait et ce que la réalité lui-même lui imposait comme condition. Monsieur Vallet, ça c'est la position de Washington, bien que des monde qui pensait que avec la nouvelle administration, tu as pris gagner et position ta protégée en nuancé, mais le nous garde position corps groupe là lui-même, c'est pas Washington, bien que Washington gon groupe proie dans corps groupe là, mais corps groupe là et aller dans même sens là tout, yon ti jan kembe à distance, yo kembe référendum à distance, mais yo même yo toujours pour les déroulement des élections et ou même l'impression que si ou dit techniquement impossible pour ta faire réaliser élection avant la fin d'année, est-ce que vous allez échouer ensemble avec l'administration dans le pays d'Haïti? Bon, non seulement, très belle question, non seulement les techniquement impossible, mais les politiquement impossible pour l'élection en fait en fin d'année parce que les conditions ne sont pas là. Parce que je te dis, un conseil électoral qui bénéficiait de assentiment, qui bénéficie de approbation, toute société, hein, généralement, ça leur prend au minimum 6 mois après l'installation. Donc déjà, notre Premier ministre et M. Claude parlait d'une sorte d'un gouvernement de consensus. Donc qui dit gouvernement de consensus, bah, quand il a fait, qui est dans quelles conditions, dit gouvernement de consensus, évidemment, l'a débouché forcément sur un nouveau conseil électoral parce que bah, il n'y a aucun parti politique et pour le moment de sérieux et dans l'opposition qui parlait dans l'élection avec conseil électoral qui vient là. Donc maintenant, au niveau de l'international, bon, est-ce qu'il a échoué? Bon, je crois que l'international a sorti un bilan d'échec en Haïti entre sa ouvre avec sa réalité à lui-même en Haïti lui imposer. Donc il n'y a pas généralement en adéquation entre ce que voudrait l'international et ce que les Haïtiens eux-mêmes ils ont décidé en fonction de différents intérêts politiques, ils ne vont pas généralement coïncider. Donc maintenant, et je crois que le discours sur les élections, son discours international, la guerre en Haïti depuis 1990, hein, depuis 1990, c'est pas un discours qui est nouveau. C'est classique. Élection. Mais nous connaissons que malgré les élections, ou bien élection pas faite, ou bien un coup d'État après élection, ou bien élection pas faite dans le délai où tu as souhaité, hein, c'est pas en 2015, je peux le dire, l'international voulait gagner une élection qui s'est faite, une nouvelle élection qui s'est faite avec premier tour, deuxième tour. Je t'ai voulu cette même élection 2015, yo, qui s'est continuée entre président et sous M. Privert, avec M. et Jovenel, et puis Jules Célestin. C'est le même résultat 2011, c'est le même résultat 2015 qui s'est contesté. Yo, t'es voulu que c'est fait. Mais conditions politiques terrain, yo, pas aller dans le sens intérêt international là. C'est des choses auxquelles j'ai été témoin. Donc, ce n'est pas tout le temps l'international arrivé et obtenu ça a été souhaité en Haïti. Dynamique politique là, les gains propres les gains propres réalités pâles que les vénères posent. Donc, moi-même, je parlerai davantage de l'échec des Haïtiens au lieu de parler de l'international. Parce que l'international là, lui-même, même si on a parlé français, a parlé anglais, quel que soit le au palais. Bon, mais dans tous les cas, parce que et Haïti, c'est pour d'abord, c'est pour Haïtiens. Si on dit Haïtiens, fait tel bagage, et puis Haïtiens, eux-mêmes, ils décident de faire ça, au vrai, bon, on est capable de critiquer eux, on est capable de tout sauver de l'international. Mais avant tout, s'il y a réussite, c'est réussite Haïtien. Et s'il y a échec, c'est l'échec des Haïtiens. Bon, en fait, il faut aussi garder en tête, c'est que et l'acteur dominant dans l'international en Haïti, ce sont les États-Unis. Même si on est parlé de corps groupe ou parler de qui ça, il y a un acteur dominant. Acteur dominant, ça, c'est l'irrité et pour quelque temps la priorité des États-Unis. Monsieur Vallet, et en 30 secondes, dis-nous, non, qui lecture fait de commission ça, commission OEA qui pourrait entrer en Haïti pour faciliter dialogue entre protagonistes. Rapidement. Bon, son commission a grand plus de difficultés pour le bail résultat. Même le gain des acteurs en Haïti qui demandent des implications, il y a des partis politiques qui demandent des implications. Mais ce qui risque de se passer, c'est que tu as des partis de l'opposition qui plus aller dans le sens d'une médiation avec l'OEA,
mais on parle dans nos côtés, on sort de corps groupe tout au niveau de l'opposition. Comprenez bien, oui? Même de corps groupe au niveau de l'opposition, des partis importants en opposition qui presque évoluent à l'extrême par rapport à pouvoir, à pouvoir et M. Jovenel là, qui est capable bien et pas rentrer dans la dynamique de négociation sérieuse avec l'OEA, parce que l'OEA est très discrédité dans un secteur important de l'opposition. Il est difficile pour l'OEA lui-même d'arriver justement et arriver à une médiation qui est capable de satisfaire une série de partis. Et au mettre des différents partis, il y a du vrai dialogue, il y a du vrai départ ordonné, ça ne dure pas vrai départ, mais pas rien qui est vraiment envisageable. Bon, d'un côté, où gagne Premier ministre et nouveau Premier ministre qui dit que M. Claude Joseph, qui dit que lui-même, et la question du départ, de la démission de M. Jovenel n'est pas envisageable. De l'autre côté, vous avez des partis de l'opposition qui disent qu'il n'y a pas de négociation qui ne pose pas comme condition sine qua non question de la démission anticipée du président Jovenel. Donc, c'est un peu, même au niveau de partis qui demandent l'OEA pour venir faire médiation, que ce soit à l'ONU pour venir faire médiation, mais qui a parlé de départ ordonné. Hein. Merci, Dalival. Il a parlé de démission, M. Jovenel, là, d'un tour, bien avant la date que M. Jovenel lui-même lui fixait, qui s'est 7 février 2022. Merci, Dalival. Ce sera très, très difficile. Le travail de cette commission sera très, très difficile, puisque la méfiance est de tous les côtés en Haïti par rapport à l'idée de l'implication de l'international dans le processus politique là en Haïti. Merci, Dali Vallet. Dali Vallet, c'est un journaliste et puis analyste politique. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. L'heure fait nous la guerre. L'autre point dans l'actualité, cellule observation criminalité, une structure qui a évolué en dedans, centre analyse et recherche en droits humains CAD, publié 4e numéro sous évolution phénomène kidnapping dans le pays d'Haïti. Massiado Vilme a ban nous détails depuis Port-au-Prince. 49 cas kidnapping enregistrés dans 15 premiers jours gouvernement Claude Joseph là, parmi 91 cas enlèvement centre analyse et recherche en droits humains recensé pour mois avril passé. À travers dernier bulletin estrict ici là publié, nous constatons parmi cas enlèvement si là yo, yo enregistré 43% dans commune Port-au-Prince, 22% dans commune Kwalé-Bouquet, 19% dans commune Kafou, 16% dans commune Delma. Dans une conférence pour la presse mardi 4 mai 2021, président Conseil supérieur police nationale là, monsieur Claude Joseph, te fait connaître gouvernement lien à prendre toute disposition pour résoudre problème kidnapping et insécurité qui a frappé plus monde dans la population dans dernier jour. Il y a un phénomène qui pas fait différence à l'âge et statut social et moyen économique. Dans cette situation ça, nous devons dire que la population continue à faire face tout avec maladie COVID-19 là, côté autorité sanitaire compté 15 nouveaux cas avec 3 monde en plus maladie en tué dans date 30 avril 2021 passé. Ça nous apprend dans le dernier numéro ministère santé publique et population publié sous évolution maladie en Paboisite dans date 1er mai passé. Alors que Goudla continue à prendre frappe devant dollar américain, côté yon moun a besoin 86 à 87 goud pour un dollar pour jeudi mercredi 5 mai. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci. 49... Merci Massiado Vilme n'a prêté Port-au-Prince, président bureau avocat international BAI Met Mario Joseph mandé un soulèvement général contre pouvoir en place pendant que le rejeté et démarche qui gain rapport avec départ ordonné Met Mario Joseph. Ni Joseph Claude et ni Jovenel n'ont pas gain qualité pour négocier pour dire rien. Mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Son homme qui prend pouvoir, lui dit la fait toute bagaille, la fait élection, la fait référendum, des bagailles illégales. Donc, tout le monde qui a le chita avec Jovenel, ça fait pas. Nous, pas quoi. Côté nous, il est là. Mandat Jovenel fini. Deux Jovenel au mur. C'est continuer à reculer. Et qu'est-ce que résistance là? Pas que l'autre encore. C'est qu'est-ce que résistance là? Fait que ça fait. Jean Abel hier. Mais est-ce qu'on va connaître Jovenel fait partie des crises là tout? Il y a des leaders politiques qui ont parlé de. On dit ordonné, c'est que l'idée ça nous-mêmes au niveau des BAI, nous regardons net, net, net. Bon, non, pas que les départs ordonnés. Les départs ordonnés, on était content de lui, nos périodes côté mandat, monsieur, t'es là. Mais si vous Jovenel, comment parler là? Bon, bon. Non. Pas entre nous, nos fatalistes. Jovenel pour aller, parce qu'il dit
quel rete, parce que il y a support moun yo. Support moun yo, bon, s'il le fait, Duval, il fait un défaire. Il fait un défaire, puis nous fait, et 86. Mais je vous dis à peuple là qu'on est ni tenant, ni aboutissant système, non, et bien, on ne peut pas prendre un coup de code dans le taille. Donc, question ça, peuple là, lui-même, a continué à faire existence. Il aime penser, nous, ouais, ça passe, Jean Abel. Et me pensait, non, jour qu'à Vigny, on a parlé de l'autre bagaille. Donc, et je reviens avec blanc raciste, blanc américain, nous avons tout. Mobilisation qui n'est pas fait dans le niveau diaspora qui a fait. Nous avons tout compréhension, même si nous avons une contingérance, mais nous avons une pile compréhension qui a dégagé et pour faire comprendre et qui ça va aller. Causé pas seulement Jovenel tout, mais plus que ça. Son question système lié. Jovenel, c'est un support lié à la base système. Il y a Goumavel pour le système n'a pas changé. Et c'est sa bataille. Donc, et tout le monde qui est sous coûte, eh bien, il y a parlé de départ ordonné. Maître Mario Joseph, c'est président, avocat international BAI. Et puis, pendant ce temps, il y a un mouvement mobilisation qui déroule aujourd'hui à Nanchonmas. Il y a plusieurs leaders qui étaient présents, parmi eux Abel Lorestan, qui est porte-parole ensemble organisation politique opposition, sous lancement une semaine mobilisation contre président Jovenel Moïse. Mobilisation contre kidnapping d'État, contre insécurité programmée, contre référendum téléguidé Jovenel Moïse voulait fait en de pays, quand Jovenel Moïse par président pays d'Haïti, encore depuis 7 février 2021, d'après la constitution haïtienne, amendée 1927 là, en son article 134.2, qui donc Jovenel Moïse, c'est ce concitoyen qui est lié, et avec que nous-mêmes, nous lançons une semaine de mobilisation contre la dictature que Jovenel Moïse veut implanter en de pays. Et bien, semaine de mobilisation, ça, je dis à la non-suppression de la constitution, pour nous faire respecter la constitution haïtienne, non. Parce que nous voyons que le groupe mafia, le gouvernement sanguinaire, le président, le ex-président, Jovenel Moïse, voulait passer la constitution pays en papier. Eh bien, nous disons que la place à son place est historique liée, parce que nous disons que nous ne pouvons pas quitter la place constitution comme ça. Et c'est ça que toute activité qu'il a fait, nous rentrons en sous place là, parce que nous disons faut que la constitution 1987 là respecte. Abel Lorestan, c'est porte-parole ensemble organisation politique opposition. Pendant ce temps, président Jovenel Moïse, qui continue à faire promotion pour référendum 27 juin, eh bien, il dit si on n'est pas d'accord avec référendum, non, c'est pas l'amico, c'est aller avec Bulteo pour capable dire ça. Président Jovenel Moïse. Je crois que le clair pour tout le monde, je dis à un monde qui parle, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui parle, c'est pas l'amico pour venir dire non, c'est pour aller dire non. Dans l'union, dans le côté que le peuple a mis, parce que c'est ça qui est démocratie. Démocratie, c'est capacité pour dire oui ou voulez ou bien non ou pas voulez. Et ça, moi-même comme président, je dis, opportunité que le moment ça offre, fin 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Je dis, il y a une fenêtre d'opportunité. Parce que opportunité ça, t'es dans mes frères mieux, ceux mieux qui t'es sénateur, qui t'es député. Moi-même comme président, moi t'ai metté plus passé 100 millions goudes dans le budget pour le Parlement pour te changer la constitution, pour t'amender la constitution. Comme la dépenser, li pas fait. Je dis à me prendre décision, comme la dépenser pour le fait. Et c'est ça nous dit. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça pendant le week-end, nan, puis précisément 1er mai, dans le moment où l'étape inaugurée, barrage hydroélectrique Marion n'a pas entré ici aux États-Unis avec actualité. Président Joe Biden, by Tetley, y a un nouveau objectif pour vacciner 100 millions de nouveaux mondes et jusqu'à 4 juillet, cap, date anniversaire, indépendance, les États-Unis. Jean-Aubert, un détail. Initiative ça a été lancée dans le moment que l'administration américaine a fait face avec un autre problème, tout parce qu'il y a des gens qui prennent le vaccin déjà et qui pas retourner pour une deuxième dose de vaccin. Mais le président Biden actuellement lié aux gens et il sentit que il va atteindre l'objectif ça d'ici 4 juillet à venir là. Our goal by July 4th is to have 70%
of adult Americans at least one shot. And 160 million President Joe Biden a annoncé 4 juillet comme date pour 70% population au niveau national recevoir une dose vaccin contre COVID-19 la probabilité. C'est une nouvelle référence importante pour États-Unis retourner dans une semblant normalité dans l'occasion fête indépendance. L'annonce président avait dit environ 100 millions de doses vaccin à disponible. Gen moun k'ap pran première dose yo ou bien deuxième dose vaccin pendant deux prochains mois k'ap vini la yo. Je dis à environ 40% adultes vaccinés totalement contre pandémie COVID-19 là, d'après Centre de contrôle maladie avec prévention. Officiel replacé dans l'administration parlait pour dire si 70 à 85% population vaccinée contre COVID-19 là, ça va diminuer sérieusement niveau infection et la mettre pays à sous route pour retourner dans la vie normale. Président Biden a annoncé tout plusieurs dizaines de milliers de pharmacies pour faire partie programme pharmacie fédérale pour offrir vaccins sous rendez-vous et puis utiliser ressources gouvernement pour supporter plus cliniques mobiles dans site vaccination de communauté. Gouvernement fédéral, d'après président Biden, a voué une nouvelle quantité de vaccins dans clinique santé rurale dans tout pays pendant que la baie communauté a plus l'argent pour encourager les gens à prendre vaccin. La Maison Blanche lance tout un plan compréhensif pour vacciner adolescents après agence mondiale de médicaments autorisé jeunes à prendre vaccin Pfizer dans semaine qui vient là. Président dit il espérait parents yo à profiter occasion pour vacciner timoun yo. État qui constate une augmentation dans demande vaccin COVID-19 là ou bien qui pas placer commande vaccin et bien dose extra ça yo pour joindre l'autre état qui en besoin d'après la Maison Blanche. Il y a plusieurs États qui n'ont pas utilisé toutes les doses de vaccins qu'ils ont recevoir. L'État Virginie, par exemple, a utilisé tous les vaccins que le gouvernement fédéral a offert pendant que l'État Arkansas, côté un tiers de la population qui a 16 ans, pour Bibiti, immunisé totalement contre le virus. Pendant ce temps, le représentant commercial des États-Unis, Catherine Tai, a lancé appel pour production de vaccins élargis globalement, une façon pour mettre fin pressé à la pandémie et puis rétablir l'économie. Responsable là fait remarquer inégalité mondiale qui existait pour accès vaccin comme une raison. Catherine Tai qui a participé dans conférence concert américain parlait pour dire élargir production vaccin c'est pas seulement une exigence santé publique mais rétablissement économique là dépend de lui. Le président commercial des États-Unis a rencontré avec responsable exécutif replacé compagnie qui a fabriqué vaccin yo pour discuter en partie sous une exemption provisoire droit propriété intellectuelle organisation mondiale là ta joindre sous vaccin contre coronavirus là. Porte-parole la Maison Blanche Jen Psaki déclaré par journaliste représentant commerce américain pour faire aucune recommandation. Les journalistes ont demandé président Joe Biden opinion sous suspension patentement et bien lui déclaré n'a décidé plus n'a pas avancé. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'est un nouveau objectif encore que président Joe Biden mettait devant. Il était mettait 100 millions, 200 millions, qu'on y a 100 millions encore d'ici 4 juillet. Et puis une dernière information concernant les États-Unis. Comité semi-indépendant Facebook maintenu jeudi mercredi à décision compagnie médias sociaux te prend pour empêcher ancien président Donald Trump poster message sur Facebook à compte Instagram. Cependant panel là était ouvert sous possibilité pour Monsieur Trump a recommencé à utiliser site populaire Sayo. Donc, c'est la dernière nouvelle qui est tombée concernant président, ancien président Donald Trump avec les médias sociaux. Mes amis, c'est là. On peut fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et merci à Lionel Demarat, qui est chef de pupitre. Et puis, sans oublier Franklin, Ronald César, chef de service là. Et puis Jean-Robert Philippe et puis correspondant à Port-au-Prince. Merci, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi t'es content passer moment ça ensemble avec vous et pour tes toutes dernières informations qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Foucault. Moi remé en pile. Moi pour aller m'a quitter non bras papa bon Dieu parce que c'est lui même seul qui capable protéger ba la vie avec la santé. Au revoir, n'a croisé dans l'autre vidéo. Bye bye. Me ramasser paquet moi. Cause habitant parmisé la ville. M'pralé. Mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.